Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Effie, je te sens perturbé. Oui, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens ma petite nièce perturbée, Effie. Je pense qu'on va devoir parler. Je me suis éventrée toute seule pour retirer ce god de mon bide, donc ouais, effectivement, je suis un peu perturbée. Ça fait mal. Mais est-ce que ça fait plus mal que la loi? Oui, je suis avec mon oncle. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de plus, darling. Permets-moi de douter. Attendez, excusez-moi, j'entends pas ce que tu me dis. Oui, on t'en veut pas. Alors, je ne verrai pas Matt, dis-toi d'accord, mais lui, je ne veux pas le voir. Matt, c'est pas le biker? Si. Nous avons fait une soirée avec eux d'ailleurs. Oui, très charmant. Mais je n'ai pas envie de le voir en fait. Ça me concerne. Voilà, la police derrière, la police derrière. Ils nous veulent non? Non, pas du tout. Eh ben, on continue. Je vais réfléchir, je te tiens au courant, ok? Et je ne sais pas pourquoi j'ai des réflexes. Et si je le vois, je le verrai seul. Sterling, ne vous affolez pas, Sterling. On dirait que dans une autre vie, vous étiez criminel. Oui, à croire que. Voilà. Bah, sachant que vous avez 2 500 000 $ dans la voiture, je pense que c'est normal qu'il panique un peu. Alors, quelle voiture c'est? Bah, la vôtre. Pardon? Tu parles de moi. Alors, justement, si alors... jamais la police te poursuit, qu'est-ce que je fais, Evie? Je les rafale. D'accord. Donc je continue de rouler, moi ou pas? Oui, roule, copain, roule. D'accord, je roulerai. Je roulerai, Sterling. J'espère qu'ils ne pourront pas rattraper la loi. La loi est rapide. On va où, là, en fait? Bah, je sais pas. Écoute, c'est Effie. Moi, je fais confiance à ma petite pièce. On va se poser un petit peu au bord du lac, je pense. C'est par là. Bonsoir, monsieur numéro masqué. Ça va très bien, et vous? Pourquoi? Vous êtes qui? Quand? Comment? Je vais attendre qu'elle finisse son appel, sinon on va parler en même temps, ouais. Ça me parle peut-être, effectivement. Très beau paysage que nous avons là. Oui, c'est un très beau lac, ça. Oui, j'aurai sûrement demain. Cooper. Mais pourquoi vous m'appelez en numéro anonyme alors que j'ai déjà un de vos numéros? Ah, très bien. Bon, bah, je me douterais que c'est vous, ou alors encore une pub à la con qui m'appelle pour des pizzas ou alors des lave-vitres à 2 balles. Quoi. Généralement, quand tu m'appelles en masqué, c'est des pubs à la con, donc je me suis un peu méfiée au début. Bah, pas de soucis. À demain. Oh, j'en peux plus. Oh, Seigneur. Je vais m'allumer une clope, j'en ai bien oui, besoin. Allô. Oui, serre-moi dans tes bras. C'est trop mignon. Oui, non, mais serre-moi dans tes bras. Mais c'était moi qui demandais à la base. Tu veux un câlin aussi? Oui, c'est un peu. En tout cas, on a fait du bon boulot. Merci, c'est Sterling. Toi aussi. Je peux allumer ma clope ou pas? Oui, bien sûr. Excuse-moi, tonton. Oui, bon, ma petite Effie, alors dis-moi tout. Tu sais que mon gosse était issu d'un rapport sexuel non désiré? Oui, je m'en souviens. Et... oui. J'ai essayé de faire ce malade mental, sauf que forcément, en ayant son gosse dans le bide, bah, ça arrangeait pas les choses. On est très triste de l'apprendre, d'ailleurs. Il y a 2-3 jours, il a kidnappé la nana qui s'occupait de mes échographies. Il l'a fait boire, il l'a drogué, j'ai vu que le schéma se répétait. Et ce gros psychopathe a voulu prendre le gosse que j'ai dans le bide pour lui implanter dans le sien. Mmh. Effectivement, oui, c'est pas dans la loi, ça. Donc j'ai bien compris qu'avec ce malade, j'aurais jamais de repos, qu'il y aurait toujours des histoires farfelues, donc j'ai préféré... Mais pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'ai conseillé, ma petite Effie? Avorter? Non, lui mettre une balle. C'est compliqué. Tu voyais bien que c'était un problème dès le début. Oui, non mais parfois la loi, il faut savoir la marquer. Parfois la loi, il faut l'imprégner de gré ou de force, tu vois ce que je veux dire, ma petite Effie? Voilà. Bon, mis à part que tu t'es centré le ventre, qu'as-tu fait d'autre ces derniers jours? Bah, j'ai réussi à kidnapper la femme du capitaine. Très bien. Normalement, mes hommes ont ses dents, je compte les ventes sur Twitter pour me faire un peu d'argent. Très bien. Et voilà, rien de spécial, on continue la révolution. Mais là, pendant 3 jours, je suis restée allongée et j'ai... Oui, on va dire soigner un peu... Il fallait m'appeler, ma petite fille, il fallait m'appeler. Non, mais je te jure, tonton, j'ai fait que dormir, j'étais sous mes médicaments, ça allait pas. C'est des doliprane que tu as pris? Non, j'étais sous... comment dire? Sous drogue? Ouais. Non, c'est pas bien ça, ma petite fille. Je comprends, mais c'est une faiblesse que tu... à laquelle tu peux te battre. Il faut se battre. Non, pas de la drogue, je touche pas à la vraie drogue. J'étais, on va dire, sous tramadol. C'était de la fausse drogue alors? Oui, la fameuse drogue. Non, c'était des médicaments, mais des médicaments forts qui te shootent, quoi. D'accord, donc des médicaments. De la drogue. Oui, de la drogue, si vous voulez. Bon, ma petite Effie, est-ce que tu peux t'occuper de cette affaire ou c'est trop pour toi? Je m'en occupe demain. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu l'as appelée, Sterling? Elle ne me répond pas, mon cher Cooper.
Envoie-lui un message. Je vais même insister en faisant un... Dis-lui que la loi aimerait lui parler demain. Voilà, exactement. Voilà, comme ça. Je vais même avoir un stratagème beaucoup plus judicieux. Bon. Mais vous êtes au courant, les tontons, qu'il va falloir faire ça délicatement, parce que si elle se doute que vous êtes libre, vous allez perdre votre job. Pardon. Ah bah, raccroche. Vous doutez qu'il va falloir faire ça délicatement. Parce que le problème, c'est que si le procureur sait que vous êtes lié à cette affaire, vous allez perdre votre travail. Mais il ne le saura pas, il n'a aucune raison de le savoir. Nous connaissons la loi quand même, mes filles. Oui, je me doute, mais bon. Est-ce que je peux faire confiance au moment où vous l'aurez, si vous l'avez, je peux faire confiance en votre stratégie? Je mettrai ça sous le nom de ma révolution et au fait que mort au gouvernement, tu vois. C'est une belle révolution, c'est une belle révolution. De toute façon, l'idée c'est que personne ne sache qui est qui. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, tonton, et de l'écart de tonton pour vous la détester? Elle est insupportable. Elle est insupportable et la loi ne l'aime pas. Insupportable, et on comprend que dans cette ville, il n'y a que les actions coup de poing qui peuvent être tonton. Ma petite Effie, tu veux un monde meilleur, je veux un monde meilleur. Et tu vois bien que dans cette ville, un monde meilleur, ça passera pas par la LSPD et ça passera pas par la loi. Pourquoi? Parce que le procureur nous empêche de faire notre travail, Effie. Tu comprends pas? Tonton, les agents de la LSPD qui se mettent des bracelets électroniques pour être tracés? J'en ai marre. Pardon? Oui. Comment ça pourrait être tracé? Bah c'est ce qui a foutu mes gars dans la sauce. Apparemment, l'Alvarez, elle avait un petit bracelet électronique à la cheville. Alors que c'est une flic. Hein. Oui, non, mais là, ça, je suis choqué et meurtri d'entendre des choses comme ça. Oui, alors si vous connaissez la loi, elle a leur botté le cul. Oui, mais il va falloir comprendre un truc, Effie. C'est que dans cette ville, tant que le procureur sera toujours avec un comportement enfantin, d'accord, et qui s'entoure de personnes enfantines, nous, avocats au gros Barlow, Sterling et Cooper, nous ne pouvons pas faire respecter la loi. Donc, mais c'est un scandale. Je pense que la loi, de temps en temps, et que la justice, c'est-à-dire nous, devons nous allier avec des gens comme toi, ma petite Effie, qui ont des vraies convictions, des vraies valeurs, et nous ferons respecter la loi, chacun à sa manière. Je pense, tonton, limite, que tu devrais aller faire tes démarches et devenir un avocat. Limite, je pense qu'être véreux dans cette ville, ce serait être juste. Non. Oui, mais tout le monde est véreux ici. C'est le mot qui dérange, mais vous allez quand même demander de me botter le cul à une pétasse, donc au final, c'est être véreux à moitié, non? C'est pas nous qui allons. Écoute, tu es ma petite nièce, et tu es ma petite nièce. Oui, voilà, exactement, c'est un esprit de famille. Tu préfères qu'on le fasse nous-mêmes? Non, j'ai pas envie que vous ayez ça sur les mains. Bah voilà, ma petite Effie, voilà. Et tu sais que je serai toujours là pour toi et pour tes collègues. Si tu veux que je lui arrache les dents, elle aussi, ou pas, je te les ramène en victoire. Si tu peux en arracher une ou deux pour Sterling, j'ai cru comprendre que Sterling aimait bien son... Oui, j'aime bien sa bouche. Voilà, sa bouche. D'ailleurs, est-ce que tu connais Ricky Spanish? Ricky? Alors oui, je connais très bien Ricky parce que c'est un de mes gars. Eh ben, nous l'avons fait sortir. Eh ben, crois-moi qu'on l'a bien... Et je peux te dire, alors, tiens, bah d'ailleurs, ma petite Effie, c'est un de tes gars. Si on a des problèmes avec le procureur, c'est parce que justement, c'est l'affaire Ricky Spanish qui nous a cassé les couilles. Bah, venez avec moi, on va à la planque, je vais discuter avec eux de toute façon, et ils voulaient me parler de cette histoire, justement. Ah, très bien. Justement, allons-y, bah c'est parfait, c'est moi qui conduis. J'ai juste appelé... C'est moi qui conduis. Oui, j'ai toujours pas conduit de voiture dans cette ville. Mais c'est pas grave, conduire de voiture. Je vais derrière pour voir si c'est bien pour ma petite nièce. C'est bon, c'est voilà, parfait. C'est d'accord. Bon, bah écoute, tu peux conduire. Bah, non, tu... Ok, bon. Non. Je conduis. Allez, change de place. Allez, on y... Bon, c'est un enfer. C'est la dernière fois qu'il conduit. Tu peux en être sûr. Allez, donne-moi le point. Allez, conduis par contre. Tu veux conduire, tu conduis maintenant. Oui, mais il me faut une direction. Allez, il faut y aller, s'il te plaît. Voilà. Non. Allez, descendez, c'est bon. Tu conduis. Allez, tu conduis. Mon Dieu. Descends Sterling, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Je préfère que tu conduis. Est-ce que ça va, ma petite Effie? On va dire que Picard de Tonton, il conduit vraiment comme un âne. Et appelle le Picard de Tonton, il est honteux. Tu ne dis pas ça, hein. Si Sterling. Au pire, comme c'est un quart, je peux t'appeler juste Ton. Voilà, c'est ça. Appelle-moi Ton. Appelle-moi Ton. Crâne d'œuf, je vais te niquer. Oh, c'est pour moi, tiens. Quoi? Oui. T'as vu ça où? J'ai pas pu voir le tenant. Demande si c'est pour toi. Demande si c'est pour toi en nom anonyme. Oui. Je vais le faire immédiatement. Allez, fais-le. Faut le faire vite. Je l'exécute immédiatement. Faut faire vite. J'ai répondu pardon. C'est bien, Marty. Oh, je t'ai appelé Marty, dis donc. C'est la première fois. Mais non, c'est Phoebe. C'est mon amie. Je pense pas qu'elle parle de toi. Ah, tu as une amie. D'accord. Femelle. Oui, c'est une de mes meilleures amies. C'est même ma meilleure amie. Donc elle parle vraiment pas de toi. Oui, mais quand même. Attendez, je fais une petite sieste. T'arrêtes. Je sais pas, c'était très pressé, ça m'a fait peur en Sterling. C'est très soudain. Avoue que tu aussi tu aurais peur. Elle a parlé d'une sieste. Elle a dit arrêtez, sieste. Oui, j'arrête ou pas? J'arrête Sterling ou pas? Oui, arrête, immédiatement. Mais oui, mais c'est peut-être pas ici, non? Avec quelqu'un en volant comme ça. Oui, mais il faudra aller la rechercher. Sterling, je ne pense pas que s'arrêter ici, ça soit une bonne nouvelle, hein? Non, continue de rouler. Les filles, a l'air très concentrée, hein? Sterling, vous pouvez descendre, je pense. Oui, d'accord, je descends en cessant mon souffle. Ce qui m'étonne, tu vois, Cooper, c'est que on n'a pas reçu un seul appel pour défendre quelqu'un. Et tu sais ce que je crois, Cooper? Dites-moi. Je crois que le procureur fait appel à sa Harley pour les affaires qu'elle soit payée et pas nous. Oh, j'ai failli appeler le procureur, dites donc.
Oh, ils veulent notre numéro. Sterling. C'est qui ça? C'est qui ça? Attends. Je le mets, je l'affiche immédiatement. C'est bon, mon petit, je m'en suis occupé. Avocat au gros barreau. Ma petite effie met quand même beaucoup de temps. C'est marrant ce que tu me dis parce que je me disais que personne ne nous appelait et je trouvais ça très étonnant. Oui, c'est vrai que c'est marrant. C'est très marrant, ça, Sterling. Oui, rigolons. Oui, ben oui. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, venez. On a été là où le GPS nous indique. Hein. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Cooper. Oui, c'est bien moi. Oui, alors je m'appelle monsieur McCormack, on s'est déjà rencontré et monsieur l'huissier m'a dit de vous contacter pour une affaire me concernant, que vous étiez les meilleurs dans votre domaine. Oui, nous sommes les meilleurs. Ah, ok, eh ben, très bien, j'ai besoin justement des meilleurs. Est-ce que c'est possible de s'entretenir, de prendre un rendez-vous pour discuter de tout ça? Oui, totalement, vous voulez qu'on aille où? Je suis actuellement dans mes locaux à la Pacific Standard, mais je peux vous rejoindre au palais de justice si vous le désirez. On va où vous voulez, la loi se déplace. Ok, la loi se déplace, ben, je vous attends à la Pacific Standard alors. Très bien, par contre pas tout de suite, hein. Si vous avez un petit verre à boire ou autre, nous vous rejoignons après. Très bien, et eh ben écoutez, nous avons une affaire en parler. Notifiez-moi par SMS quand vous êtes disponible et je vous... Je vous notifie très bientôt, monsieur. Parfait, je vous remercie, monsieur. À tout à l'heure. Allez, bonne soirée. On va avoir une affaire et ça s'appelle... Oui, on va avoir une affaire, les filles, on va avoir une affaire. C'est qui ça? C'est Carlos. Quoi? Bonjour, ça monsieur. Va. On dirait une version de Julio Iglesias, mais genre bonsoir, version loup-garou. C'est très gentil. Et tu as un beau bouc. Et ça, c'est Lewis, je suppose, du coup. Bonsoir. Allez, Lewis, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai déjà vu. Du bled. Et comment ça, tu me parles comme ça, toi? J'y crois que t'es qui, bonsoir. Recipe Vous parlez à qui, monsieur? Excusez-moi, j'ai pas fait exprès, au revoir. Y'a pas de soucis. Ça, y'a tellement de trucs qu'on va te raconter. Moi, j'ai bah ouais, voilà, y'a mon tonton qui est là, qui m'a dit qu'il avait des riquides. Bonjour, ouais, je suis ton tonton. Mais il a bien aidé, il est... franchement, merci. Venez, on s'assoit, vous m'expliquez tour à tour ce qui se passe. Oui. Allez, installez-vous. Réunion de famille ou quoi, les frères? C'est réunion de crise. C'est la hausse. Viens, va derrière le bar, nous. Il est pas là, Rikis? Ah bah non, forcément, il peut pas. Non, c'est pareil, Gustave, il est pas là. Faut qu'on récupère nos armes là déjà, donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen que Diego puisse récupérer son bracelet. Comment ça, vous n'avez plus d'armes? C'est la justice non, qui vous a confisqué. Non, faut qu'on en récupère. Et ah, oui, comme... Attends quoi, on n'a plus d'armes? Non. Malheureusement. Effie, assis-toi. Assis-toi, il y a plein de choses. Ouais, ça sera mieux. Mais elle est déjà assise, elle est déjà assise. Je vais tout expliquer. Il y en a qui parlent très fort. Non, celui-là qui va expliquer, c'est Tai. Tai là. Ah bah super. C'est lui qui explique. Allez, Tai. Non, ce qui s'est passé sur la prise d'otage. Non, écoute, c'est pas ça le plus important. Je pense qu'il y a d'autres choses importantes. Alors. Concerne elle directement. Bah déjà on va commencer par appuyer poids. Je sais pas si t'avais vu la vidéo qu'on a essayé de faire, Effie. Ouais, j'ai vu. Bon, la vidéo est restée pendant quoi, une ou deux peut-être. Puis la LSPD a merci forcément les news à l'artillerie. Merci mon frère, merci Pigro. Bah non, je l'ai vu il y a une heure. Oui, mais attends, parce qu'il y avait un premier vu. Merci Grisly aussi pour l'enseigner moi. Et Alex Tass pour le dire. Et du coup, on en a parlé avec le monsieur du Weasel News et lui, il était pas contre cette vidéo et il m'a dit que si on voulait la remettre, fallait lui faire une lettre de menace. Du coup, bah, j'ai fait une lettre de menace et il l'a repostée. Donc, voilà. Ensuite, les bikers. Carlos a eu une discussion avec Matt. En gros, si tu veux, tu sais qu'on est en cavale. T'as Matt, je les ai croisés là-bas, c'est dans le nord et. Bref, il m'a dit que c'était bon, t'as réussi à t'en échapper, ouais, etc. Après, il m'a demandé où était ta planque. Il me l'a demandé plusieurs fois, donc je lui ai fait comprendre au début. Ça le regarde pas en fait. Ouais, non, mais je lui ai dit, je pense que si tu me demandes, c'est que tu sais pas. Donc elle a pas voulu savoir. Elle me dit si je sais, mais je m'en rappelle plus. Donc je lui ai donné un faux endroit, loin d'ici. Il m'a dit, il était beaucoup, tu sais, comment dire. Il demandait beaucoup si t'étais là et tout ça. Voilà, il disait beaucoup fois, genre, si vous avez besoin d'aide. Moi, j'ai Red qui arrête pas de marcher ce soir, qui me demande si je connais Rachel Lewis et qui me dit qu'ils ont le FBI au cul, qui veulent me voir. Et tout, donc tout à l'heure j'essaie d'esquiver. Non, mais c'est vrai qu'on a essayé de les voir tout à l'heure parce qu'ils voulaient ils voulaient que les gens viennent boire un verre et quand on est passé devant, ils nous ont dit dégager parce qu'il y a le SWAT qui doit arriver. Donc voilà. Bah après, c'est Mats qui a kidnappé Rachel. Hein. Ils sont beaucoup sur tes côtes. La planque, si vous avez besoin d'aide pour vider la planque, appelez-nous, il n'y a pas de soucis. Tonton, arrête, ça va pas ou quoi? Pourquoi tu nous filmes? C'est pas ton tonton, c'est pas ton tonton lui, Effie. Oui, j'ai pas dit tonton. Ah, tu m'as entendu ou pas, Effie? Oui. Oui, on vous écoute, monsieur. On a eu les familistes qui ont chopé Alvarez. Avant-hier. Et qui, bah, au final, nous l'ont ramené. Donc, on a essayé de s'en occuper. Sauf que bah, quand ils nous les ont ramenés, il y avait un hélicoptère de police au-dessus de nous. Et arrivé sur la route, il y avait 8 voitures de police. Donc, on a dû se réfugier au U-Tool dans le Nord, le magasin de picolage. Et on s'est occupé d'Alvarez. D'ailleurs, tu verras que
là-bas, il y a une dent d'Alvarez dans une petite boîte. Ah, parfait. Donc voilà, il y a eu ça. Sauf que, ben voilà, ça a duré quoi, une petite demi-heure, 3-4-2. Le temps qu'on pose plein de questions, que ce LOL, ben, quand on était en tenue d'opération, c'était ce LOL, on était responsable de la bande d'Angèle. Donc moi, je lui ai fait comprendre que c'est elle la seule responsable, vu qu'elle a fait des lanantiques. Et à la fin, ben, je lui ai arraché sa dent, elle a pleuré. Et bon, après, elle se sentait mieux, elle allait sur Twitter. Mais sinon, à part ça, ben, on a essayé de fuir la police. Sauf que on a eu des contretemps et donc on a eu Ricky qui s'est fait arrêter, Carlos et Lewis qui sont échappés de l'hôpital un peu plus tard dans la soirée. On va faire une liste de tout ce qu'on a à faire, récupérer les armes auprès de Diego. Ouais. Aller voir les familles. Ouais. Je veux rencontrer ce Oliver aussi, donc ça fait déjà pas mal de choses. Ouais. Oliver, et ensuite il faut qu'on aide mon tonton. Ok. Comment ça? Tonton explique. Tonton. Oui, c'est moi le tonton. Je suis le tonton. Je suis le bel homme. Je suis le car. Et lui c'est le car, c'est Seto. Bon. Écoutez, nous avons une avocate en ville qui s'appelle Harley. Oui. Lilia Harley. Voilà. Sauf que cette avocate, elle est censée vous aider. Donc aider nos concitoyens à faire régner la loi. Hein, vous l'aurez compris. Sauf que, figurez-vous qu'elle sort avec quelqu'un de très problématique contre la loi. Le procureur. Exactement. Allez, bon. Et lui, je l'ai dans ma poche. Et comment ça explique. Eh bien, il faut l'avoir ailleurs que dans votre poche, monsieur. Sous votre chaussure, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Le procureur, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant longtemps. Oui, que je connais depuis longtemps. Ça a pas d'amis à moi. D'accord. Et le procureur, je peux m'arranger facilement un rendez-vous avec lui, donc... Oui, mais le procureur est con, monsieur. Votre ami est un connard. Voilà. oublie pas, là, au cas où, t'es le chercher. Oui, c'est pas vraiment ton pote. Oui, oui, oui. Et figurez-vous que la petite Harley, elle fait pas respecter la loi. Croyez-moi qu'elle en bouche pas que le barreau de la justice. Voilà, donc je pense qu'il va falloir rappeler à cette jeune fille que cirer le barreau, c'est pas bien. Il faut faire respecter le barreau de la justice. Nous, ce qu'on veut, c'est que des gens corrects vous représentent. Parce que si ça manigance avec le procureur, le conflit d'intérêts est très proche, voyez-vous. Très, la loi est très stricte. Très dangereux, le conflit d'intérêts. Et on veut qu'on... Vous voulez la dégager des avocats. Oui. Il faut qu'elle arrête. Hein. La loi, c'est pas pour elle. Voilà, il faut qu'elle se rende compte que la loi, c'est pas pour elle. Uber Eats embauche. Et je pense qu'elle aurait sa place dans ce domaine. Il faut qu'elle comprenne. Déjà, je veux pas vous mentir, messieurs. Elle a 23 ans et elle est avocate depuis un mois. D'ailleurs, à 23 ans, je n'étais pas avocat. J'étais encore en études. Savez-vous pourquoi nous n'aimons pas cette avocate? Cette pute. Et savez-vous pourquoi nous n'aimons pas ce procureur? Parce que hier, nous avons lâché Ricky Spanish. Nous sommes bien d'accord? Oui. Et ben nous nous sommes embrouillés avec le procureur parce que le procureur voulait le garder en cellule jusqu'au jugement. Illégalement, évidemment. Illégalement. Donc procureur ami ou pas, croyez-moi qu'il n'est pas de votre côté. Ouais, je sais. Ça, je le sais très bien, ça. Donc il faut que tu te lèves et que tu te répètes, le procureur n'est pas mon ami. Dis-le, voilà. On veut que tu y croies, on veut que ça soit acté en toi. Lewis, de toute façon, il va falloir que tu apprennes à dégager des émotions de nos missions, vraiment. Voilà, c'est pas mal. Non, mais il a dégagé un petit truc. Voilà. J'ai une petite question pour vous, le patron de Effi et son collègue. Oui, bien sûr. Oui. Vous voulez que, clairement, quoi, qu'on les vince ou qu'on la tue? Ah non, ne tue pas. La loi ne tue pas. Non, mais je demande. Tu confonds un peu tout. Si vous voulez mon avis, il faut que justice soit faite. Voilà. Parce que pour Ricky Spanish, pour Tonton et pour tout. Après, s'il y a un accident pendant la manœuvre, cela ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Si elle tombe sur un ballot et qu'elle tombe. J'ai cru comprendre que vous aimez bien les dents. Bon, si vous voulez prendre une ou deux dents, vous pouvez. Voilà. D'accord, ok, on a compris. Bon, si ça peut vous faire plaisir d'avoir des dents en collection. Non, ils veulent pas savoir. Ça peut arriver. C'est pas une question de plaisir. C'est pas une question de plaisir, c'est une question de loi, monsieur. Voilà, c'est une question. Nous connaissons la loi, monsieur. Moi, par contre, j'ai besoin de respecter. Oui, dites-nous. J'ai réfléchi à une petite vengeance que je pourrais faire vis-à-vis de Mads avec tout ce qui s'est passé. Oui, dis-nous. Oula, tu sais, pour toi, je ferai tout. Oui, moi, vraiment. Je pense simplement que je vais essayer de le voir tout seul. Oui, dis-moi. Quelqu'un sait s'il y a une usine de lapins pas très loin ou pas? Une usine de lapins. Il y a un abattoir avec des animaux et des poulets dedans. C'est dans le Nord, ça, non? Tu connais bien la question. Comment je sais ça? Comment je sais ça, Cooper? Tu connais bien la question. Il y en a un autre vers la Hongrie. Mais attention, parce que Effie, ce soir, dans le Nord, ils sont énervés. Ouais, la police, elle est énervée. On n'a jamais rencontré la police. Ok, très bien. Très bien. Moi, tout ce que je veux, c'est lui faire creuser une tombe en pensant que je vais lui faire creuser la sienne et le faire enterrer un faux fœtus en lui faisant croire que c'est son bébé. Et juste avant, je lui préparais un petit repas et lui dire, écoute, déguste bien, puis quand j'aurai fini mon petit méfait, je lui expliquerai que si mon bébé était pas assez bien dans mon ventre, il est mieux dans le sien.
merde. Levez vos stabs, levez vos stabs. Oui, mais au final, ce sera juste avec... Prenez mon bras, attrapez mon doigt. C'est trop bon, la coupe, c'est juste que j'entends, ça me fait mal. Oui, mais écoutez-moi bien, ce sera pas vraiment ça, ce sera un lapin, donc au final, ce sera juste psychologique. Oh, moi aussi, si elle a pas, ça va. Ça m'a choqué. Bon, écoutez, on va vous laisser avec cette petite histoire. Ma petite fille, on va s'occuper d'un client. Est-ce que t'as besoin de nous? Vas-y tonton, je te tiens au courant de toute façon. À très bientôt messieurs, merci dames, et tenez-nous au courant. Vous êtes adorables. Mais vous Madame, êtes adorables. Très belle couleur de cheveux. Oui, je vous fais la bise, mec. Si vous permettez, je vous fais la bise. Voilà, mode continuation, madame. Vous voulez me pas refaire la bise à moi? Fais la bise au monsieur. Allez, on y va. Il va vous faire la bise. On n'a pas de problème. Écoutez. Sterling, fais-lui la bise. Oui, je sais pas comment. Allez. Allez, bisous. Et bonne chose. Je vais faire un gros bisou à ma petite fille. Fais attention à toi. Oui, et puis, attendez, et puis... Non, il faut y aller, là. Sterling. Et puis, bisous. Voilà. Ah, c'est qui ce monsieur qu'on doit rencontrer, mon cher Cooper? Je n'en sais rien, attends. Oui, on arrive, messieurs, on arrive. Pas de soucis, je vous attends. À tout de suite. Je vous écoute. Oui, bonjour, où est le Pacifique? Nous sommes nouveaux dans cette ville, monsieur. Sur Vinewood Boulevard, je peux vous envoyer les coordonnées si vous voulez. Je veux bien, monsieur. Parfait, je vous envoie ça. Bonjour, monsieur. Messieurs, bien le bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Vous allez bien? Non, vous, est-ce que vous allez bien? Moi, je vais parfaitement bien. Votre présence me ravit, messieurs. Bon, dites-nous tout. Eh bien, écoutez, si vous voulez bien me suivre, on va aller dans mon bureau discuter. On veut bien vous suivre. Alors, attendez, faut que je parle juste avant à mon collègue et on vous rejoint. Dis-moi tout. Individu était hier en présence de Harley Quinn. Très bien. Voilà, donc ça se trouve c'est un complot. C'est possible. Voilà, restons vifs. Restons professionnels. Et la loi est vive. Voilà. Bonjour, monsieur. Messieurs. Bonjour, bonjour du coup. Oui, bonjour. Allez, suivez-moi. Vous êtes banquier, monsieur? Absolument. Ah oui, vous avez changé les articles concernant les taux variables. J'ai changé que le service de crédit est totalement restreint du fait qu'on ait subi 3 braquages la semaine passée, donc pour l'instant, tout est au point mort, je vous le cache d'accord. pas. D'accord, où est votre coffre, monsieur? Votre coffre est sous la banque, monsieur. D'accord, tu notes. Bien protégé. Vous avez bien fait. Où sont vos caméras, monsieur? Nous connaissons la loi, c'est pour vous aider. Au niveau du service de sécurité. Vous pouvez faire coucou si vous voulez, regardez. Très bien. Et au niveau du service de sécurité, combien d'employés? En termes de sécurité, on est sur 50 personnels qui se relaient constamment. C'est bien. Et quels sont les horaires à peu près de déjeuner, monsieur? Alors la banque est littéralement vide sur les coups de 11h30 jusqu'à midi et demi, il n'y a plus personne dans l'établissement. 11h30, midi et demi, d'accord. Bon, bien sûr, la banque est vide, mais on laisse les portes ouvertes pour que vous puissiez accéder au distributeur. Oui, bien sûr. Bon, monsieur, dites-nous tout. J'ai eu un petit souci, un petit conflit en ce qui concerne une autre entreprise que je possède en ville, à savoir Green Motors, qui a été rebaptisé Drift Motors récemment. Donc, pour cette entreprise, j'ai un document formel de la part de monsieur le président signé à son nom qui stipule que je possède 100% des intérêts de l'entreprise. J'ai toutes les actions de l'entreprise à mon nom. Moi, devant gérer la banque, j'ai sollicité l'aide de personnes compétentes pour gérer le garage en mon nom, voilà, pour que le garage puisse tourner. Ces personnes tentent de m'évincer de ma propre entreprise et ont fourni à leurs avocats visiblement des documents falsifiés qui leur procurent le fonds de commerce du bâtiment. Donc, d'après leurs documents, eux, je ne dispose plus que des murs et plus de l'entreprise. Donc, je ne sais pas d'où sort ce document qu'ils ont fourni à leur avocat. Quel est leur avocat, monsieur? C'est madame, j'ai pas le nom, je sais pas. Ah, Harley. Elle parle très fort. Harley, quelque chose, madame. C'est possible, j'ai pas relevé le nom, c'est un peu... Elle est grande? Oui, ok, voilà. Du coup, elle a des documents, elle, en sa possession, qui ont été fournis par ses clients, donc mes employés, qui tentent de m'évincer de ma propre entreprise, comme je vous l'ai dit. Alors, je ne sais pas d'où proviennent ces documents, parce que moi, possédant toutes les parts de l'entreprise, je n'ai jamais cédé une quelconque part à qui que ce soit. Monsieur, donc, est-ce que vous avez tous les documents attestant que vous êtes bien propriétaire de l'entreprise? Ah oui, je peux vous les fournir si vous voulez jeter un œil dessus. Et elles ont été Si je les amène au président, il sera en mesure d'attester que ce sont des vrais et des originaux. Absolument. D'accord, très intéressant. Très bien. Et qui vous pose problème ici, là, monsieur? Dites. Alors, je vais donner un nom pour voilà. Non, c'est monsieur Ozaru Jin qui était à la base à la gestion d'entreprise, mais que j'ai dû renvoyer suite aux fraudes qu'il a fait sur mon entreprise, à savoir des retraits d'argent conséquents. Vous pouvez le prouver, ça, monsieur, les retraits d'argent conséquents? Ah oui, tout est prouvé, même monsieur le président. En fait, ils ont retiré de l'argent de mon compte entreprise sans mon accord pour investir dans un salon de tatouage pour aider un de leurs proches. D'accord. Et c'est monsieur le président lui-même qui a. Comment s'appelle ce monsieur, vous dites? Jin Ozaru. Jin Ozaru. Vous avez un numéro de téléphone de ce monsieur Jin Ozaru, monsieur? Je ne vous garantis pas que je l'ai, mais je regarde ça tout de suite. Mais de toute évidence, ça tombe très bien cette affaire. Hein.
Étant donné alors, qu'il y a Harley dans le coup. 98-17, monsieur Jin Ozaru, 2-O-Z-A-R-U, et Jin, J-I-N. Et donc, cette personne est protégée par l'avocate Harley, c'est ça? Tout à fait. Sterling, c'est tu penses à ce que je pense? Je pense parfaitement à ce que nous pensons tous les deux. Nous pensons. Bon, et est-ce qu'elle les défend bien? Moi, j'ai pas trop eu mon mot à dire, je vous le cache pas, il y avait monsieur le juge en sa présence. Oui, mais ce juge, on ne l'a jamais vu encore. Parlez-nous-en de monsieur le juge, c'est Daniel. Monsieur le juge, alors j'ai pas son nom, il m'a pas été présenté formellement. Donc monsieur le juge était présent dans mon garage pour faire la saisie de celui-ci. Du coup, oui, monsieur le juge était présent au garage lorsqu'ils sont venus... Alors, M. Chinozaru a fait appel à son avocate. Il y avait également M. Montmirail, huissier de justice. Et il y avait Maître Amadeus, il me semble que je l'ai aperçu. Le procureur et... M. Cooper, je parle avec votre était... je vous rappelle. À tout de suite, monsieur également. Le président. Merci. Et voilà. M. le juge également. Et le procureur, le procureur disait quoi de cette affaire, monsieur? Il est resté en auditeur libre. Il ne s'est pas prononcé par rapport à cette affaire. Il était là juste pour écouter le développement de celle-ci. Quel droit il écoutait une affaire qui était entre des parties... Écoutez, le gouvernement fait ses affaires. Je ne sais pas comment ça Cooper, je pense qu'on va pouvoir faire d'une pierre 18 coups. Est-ce que vous confondez pas le président avec le procureur? C'est bien deux personnes distinctes. Non, c'était bien monsieur Underwood qui était présent. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir faire d'une pierre 4 coups, si je peux me permettre, mon cher Sterling. J'ai entendu, oui. Avec des ricochets. Je vais appeler le président et je vais essayer de réunir tout le monde. Est-ce que vous pensez que le juge est encore là? C'est possible, c'est pour ça c'est pas. Nous allons faire une réunion et nous allons nous affronter. Vous allez expliquer cette histoire en notre présence et nous allons voir les faits. Mon petit Sterling, réfléchissez évidemment aux lois qui ont été bafouées, parce que là, de toute évidence, il y a jurisprudence sur des faux papiers. Croyez-moi qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail. Alors, d'un aspect financier, monsieur... Bonjour, monsieur le président. Faites vite, s'il vous plaît. Oui, c'est très urgent. Est-ce que vous pouvez réunir le juge, vous, ainsi que les avocats Harley et nous-mêmes dans une même pièce? Donc, vous voulez... Pardon? Tous les avocats et le juge? Non. L'avocat Harley, ouais. L'avocate, vous voyez, la maître Harley, le juge, d'accord, pour une affaire très importante, monsieur le président, dont vous êtes témoin d'ailleurs. Pour une affaire d'escroquerie, monsieur le président. Monsieur le Président. Oui, je m'occupe de réunir ça, j'ai juste un truc urgent. D'accord, mais vous pouvez les réunir là tout de suite? C'est impossible, là, vraiment. Et ça sera quand alors? Monsieur le Président. Je voulais envoyer à vous. Très bien, c'est bien reçu. Je vais envoyer aussi à monsieur Cooper, c'est ça? Vous avez une adresse mail, monsieur Cooper? Envoyez-moi. Envoyez. Monsieur nous disait qu'il va nous donner un acompte de 10 000 dollars. Et que si on gagne ce procès. Attendez aussi quelqu'un. Et si on gagne ce procès, 100 000. 100 000, Cooper. Est-ce que vous pouvez parler moins fort, messieurs, dehors, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi pour ça. Il faut savoir se faire respecter. Il faudrait juste son adresse mail que je puisse transmettre. Son adresse mail, c'est Marty Cooper. Et son mot de passe, c'est MRBBOY. Mais arrêtez de me donner vos mots de passe. Oui, pardon, autant pour moi. Oui, c'est une manie chez moi. Qu'est-ce que tu dis, Sterling, encore? J'ai cru sous-entendre quelque chose, c'est terrible. Non, c'est tout à fait normal, parce que tu vas recevoir un mail. Il va nous faire un acompte de 10 000 dollars, et si on gagne ce procès, nous avons droit à la coquette somme de 100 000 dollars, mon cher Cooper. Eh, nous allons le gagner, vous inquiétez pas. Voilà, nous avons le président de notre côté, je vais m'en occuper personnellement. De toute évidence, il y a magouille, on va s'occuper de faire respecter. Ça va aller très très loin. Vous êtes disponible souvent, monsieur? Oui, tout le temps. Écoutez-moi bien, je suis disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous êtes encore disponible dans quelques minutes, là? Absolument. Très bien. Bon, on va essayer de résoudre ça le plus vite possible, parce que j'en ai marre que les affaires traînent ici. Hein. Parfait. Je vous retourne ça. Ça commence à peser un peu sur moi. Oui, croyez-moi, nous allons faire secouer des cocotiers, comme on dit. On secoue, monsieur, on secoue. Sachez-le. J'adore le lait de coco. Parfait. Vous aurez du lait de coco. Très bien. Eh bien, écoutez, monsieur, on vous se tient au courant très rapidement. Je vous remercie énormément pour votre... votre rapidité, votre... C'est normal. Professionnalisme. Merci, messieurs, d'être qui vous êtes. Voilà, bah des avocats. On est au service de la loi, monsieur. Très bien, c'est ce que j'aime entendre. Sterling, tu me feras un petit résumé. J'étais avec le président. Le président est soi-disant dans une grosse affaire. Mais j'ai l'impression que dans cette ville, il n'y a que des grosses affaires. Oui, mais celle-là, c'est une très grave affaire. Parce que dans celle-là, c'est pas juste un client qui se plaint. C'est tout un système de magouilles. Et ça ne me plaît guère. Ça ne me plaît guère. Rouge écarlate, comme c'est étonnant. Monsieur, il est très important d'une chose. Je vous écoute. À partir de maintenant, ne parlez de cette affaire à personne. Même pas votre meilleur ami, monsieur. Vous ne dites rien de ce qui nous a été dit. Et dès que quelqu'un, le procureur ou un autre avocat, veut vous parler, même ne serait-ce qu'au téléphone, vous poser des questions, vous passez par nous. À partir de maintenant, vous gardez le silence. Tout doit être dit en notre compagnie. Est-ce que c'est bien clair, monsieur? Je ne parlerai d'aucunement de cette affaire sans votre accord, votre présence. Voilà, très bien. Mais c'est très bien, monsieur. Bah, on se tient au courant très vite. Vous êtes monsieur comment déjà? McCormack. 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 C'est noté. À très vite, monsieur. À très vite.
Merci bien. Il faut faire respecter la loi, j'en ai marre de tous ces pots de vin. Depuis quand, sous prétexte que tu as des atouts, tu peux avoir un procureur dans la poche en étant avocat? Explique-moi ça, Sterling, explique-moi ça. Non mais là, c'est très grave. Là, écoute-moi, Cooper. Écoute-moi bien, parce que là, la loi, c'est quelque... c'est une femme sacrée, la loi. Et là, on est en train de la bafouer. Et ça ne me plaît pas. Nous ne bafons pas la loi. Comment ça, nous bafons la loi? Dis-nous. Ils sont en train de bafouer la loi. Oui. Il y a une voiture qui nous suit, un gros camion. Oui. Roule, Cooper. Oui. J'y vais, je roule. C'est très grave. On est pris en chasse, Cooper. Nous sommes pris en chasse, pourquoi, voyons? C'est ton tweet. Ça, c'est ton tweet. Je t'avais dit de pas tweeter. Je fais quoi? Je roule ou je m'arrête? Là, je crois qu'il nous rattrape de toute façon, donc arrête-toi. D'accord. On peut continuer maintenant. Non, on peut y aller. C'était rien, c'était la loi. T'as pas eu peur de toute façon. Oui, je n'ai pas eu peur. Vous êtes l'huissier, monsieur? Oui, exactement, oui. Ah bah je voulais... Ça tombe bien, parce que bon, voilà, avec mon cher collègue, on est dans une affaire. Est-ce que vous auriez eu affaire à une histoire d'entreprise de moto récemment? Vous voulez sûrement parler de l'histoire du Drift Motors? Oui, Drift de Motors. Oui, oui, monsieur, on veut parler de ça, monsieur. Qu'en est-il de cette fermeture, monsieur? Pouvez-vous nous éclairer? Est-ce que le banquier nous a rapporté à monsieur le président? De quel banquier on parle? Monsieur McCormack, si d'accord, je me souviens d'accord. Bien. Oui, dites-le. D'accord, oui, on ne connaît pas. Mais allez-y. Ce monsieur qui est à la. Normalement, que, d'après les documents, est à la tête du Drift Motors, aurait remarqué des. Il y a eu un malentendu, en fait, entre lui et les gérants actuels du Drift Motors. C'est-à-dire qu'il y a une cessation? Non, en fait, monsieur le banquier. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment ça va, les amis? Mais c'est monsieur Strud. Ça va? Monsieur, vous êtes attendu à l'intérieur du commissariat, monsieur. Moi? Oui, vous. Bah, menez-moi à lui, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous finir une conversation avec lui, si, monsieur. Oui, ne vous frottez pas sur mon collègue. Il est où, le policier? À l'intérieur, juste à l'intérieur. À l'intérieur, il a une cagoule. Je vais aller voir... Rentrez en criant, monsieur. Rentrez en criant. Faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Vous rentrez et vous chantez une chanson, monsieur. Ok, j'y vais. Bon, dites-nous tout, monsieur. Du coup, vous dites qu'il n'y a pas eu de cessation, c'est ça? Non, en fait, pour vous expliquer, le banquier a racheté l'entreprise de Green Motors. Il l'a laissé en gérance à des gens qui étaient qualifiés justement pour tenir ce genre d'entreprise. Sauf que les documents étant mal faits, d'après monsieur le juge, il y a eu un quiproquo. C'est-à-dire que le banquier pensait détenir les murs et le fonds de commerce. Et les gérants pensaient détenir seulement le fonds de commerce. Du coup, ne devoir qu'un loyer à monsieur Obo Hockey. Mais c'est pas possible, ça. Dès lors qu'il a acheté l'entreprise, évidemment qu'il a le fonds de commerce et les murs. Oui, bien sûr, monsieur. Ça n'a pas de sens. Monsieur, ça, là, c'est n'importe quoi. Ça commence cette ville. Mais réfléchissez. Sinon, comment pensez-vous qu'il puisse mettre des gérants s'il est lui-même. Il n'y a aucun policier qui m'attend. J'ai vu personne. C'est monsieur, il faut vous faire entendre. Allez-y dedans. Et vous allez voir que ça va très vite arriver. Donc, dites-nous tout. Il y avait une bataille. J'ai entendu dire qu'un avocat a falsifié des papiers de voilà, ce fait. On a entendu dire des choses. Et l'avocate Arlène, n'est-ce pas, de connivence avec le procureur, qui aurait falsifié quelques papiers. On n'en dit pas. Falsification de papiers, oui. Vous confirmez ça, monsieur? Non, je ne confirme pas, non, mais évidemment, il y a des. Vous auriez dû être là lors de la réunion. Oui, mais on n'est pas appelé. Personne ne nous appelle. On et ça, c'est... Mais on n'était pas là. Malheureusement. Mais croyez-moi qu'il y en aura d'autres, des réunions. D'ailleurs, je pense que. Lequel d'entre vous est Cooper? C'est moi, monsieur. Très bien. Monsieur le président m'a appelé pour me signaler que nous avons un entretien demain avec justement l'avocate des messieurs et vous-même. Oui, on va s'en occuper. À quelle heure demain? Je ne sais pas, il m'a dit début de soirée. Il n'y a pas de début de soirée, ça sera fin de soirée. Il n'y a pas de début de soirée. Ça sera fin de soirée. Ça sera à partir de 23h, monsieur. Moi, je ne fais que rapporter ce que le président m'a dit. Bon, bah, vous savez quoi, ça sera début de soirée. Non, il a raison, ça sera. Et Cooper, Sterling, c'est nous. Et Sterling, il me semble qu'on était appelé à 22h30 demain. Donc ça sera début de soirée finalement. D'accord, 22h30. Donc à partir de 19h. Enfin, à partir de 20h, monsieur. Est-ce que ça vous va? 20h. 20h, monsieur. Ça devrait être bon pour moi. Et non, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Monsieur, c'est une conversation privée. Monsieur, excusez-moi la pause. Bonsoir. Nous sommes avec l'huissier, c'est privé. C'est une conversation privée. Nous sommes des auxiliaires de justice. On vous a pas convoqué, monsieur. Mais c'est lui qui m'a dit ça, putain, connard. Que se passe-t-il, monsieur? Non, moi c'est Cooper. Vous êtes n'importe quoi. Non, c'est connard maintenant. Non, c'est Cooper, monsieur. Non, t'es Cooper. Nous connaissons la loi. C'est vous que je vais couper, enculé. Je ne comprends pas quand vous parlez, monsieur. Ce mec. Nous sommes auxiliaires. Non, mais ne braquez pas ce monsieur. Ne braquez pas ce monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il sort une arme? Calmez-vous. Oui, non, calmez-vous, monsieur. Tout le monde se calme. Nous représentons la justice et la justice vous représente. Oui, bien sûr.
Bon, monsieur l'huissier. Ah, faut pas partir, monsieur. Bande de connards, pourquoi vous mentez? Pardon, oui, excusez-moi, c'est Cooper. Appelez, oui, c'est Cooper, Cooper, monsieur. Non, connard. Non, c'est Cooper, monsieur, toujours. C'est Cooper, monsieur, vous... Mais monsieur, comment vous appelez-vous, monsieur? Comment vous appelez-vous? Srotrap. Pardon? Srotrap. Pardon? Srotrap. L'est-il? Bon, appelez-moi Srotrap. D'accord, okay. Bon, écoutez, d'accord, monsieur, nous connaissons la loi. Écoutez, nous connaissons si vous avez besoin de nous, nous sommes là. Que vous avez de l'argent. Calogero et Pascal. Non, c'est Cooper, monsieur. Oui, écoutez-moi bien. On ne connaît pas ces gens-là. J'ai mes règles encore. Vous me l'avez mise à l'envers, c'est pas grave, j'en tiendrai pas. On ne comprend pas, monsieur. Donnez-moi un peu d'argent. Oui, monsieur l'huissier a beaucoup d'argent à vous donner, il va vous en donner. Donnez-moi un peu d'argent, monsieur. Moi, je n'ai pas d'argent sur moi. Quoi? Mais c'est vous le plus grand braqueur de la ville. Comment ça, vous n'avez pas d'argent? C'est bien envoyé, ça, monsieur. Ça, je suis désolé. Forcez d'admettre que c'est bien envoyé. Oui, c'est une punchline. J'aime bien les punchlines, moi. Bon, monsieur l'huissier, bon, est-ce que tout est bon demain 20h? Je n'arrive pas à voir monsieur le président. C'est très embêtant. Rappelez-le. Bon, monsieur l'huissier, on va vous laisser. Passez une bonne soirée. Très bien, pas de soucis. Bonne soirée à vous aussi, messieurs. Au revoir, monsieur, à demain. À demain. Bon, mon petit Sterling, on vient demain, on règle cette affaire. Ensuite, nous repartons vacants à nos occupations et nous reviendrons. Pour la réunion très importante bien sûr, du comité d'arc-en-ciel. Bien sûr. Rends compte que si on gagne ce procès, nous récoltons 100 cas. Nous récoltons ce que l'on sème, monsieur. Tout à fait, monsieur. Elle n'est toujours pas. Mais on a déjà fait ce parking. Oui, c'est vrai. C'est pas grave, allez. Allez, bon, il est temps de se reposer. Et je te propose que dans nos rêves, je pense à toi. Mais je pense à toi profondément.